Hey, salut à tous, c'est le Picsou, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui en exclusivité sur le nouveau Call of Duty World War 2, sur la nouvelle map Zombies Dark and Shore. On sera une petite vidéo tuto pour vous montrer comment avoir l'easter egg du professeur, du Dr. Strobe. En fait, donc, vous saviez sur l'ancienne map, le dernier Reich, il y avait le même délire, il y avait un easter egg où on pouvait croiser le docteur. Donc c'était à la morgue avant la manche 4. Et en fait là c'est le même délire, donc il faut le croiser avant la manche 4. Donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui savaient pas où il était exactement. Moi je suis tombé dessus vraiment par hasard. Donc je me suis dit je vais faire ce petit tuto, je vais vous montrer où il est. Même si c'est pas grand chose, ça peut toujours dépanner. S'il y en a qui veulent faire une vidéo derrière pour vous montrer à leur tour ou avoir le trophée ou quoi que ce soit, au moins c'est fait. Donc ce que je vais faire, je vais finir la manche là et je vais vous montrer directement où c'est. Donc c'est juste à côté, c'est pas bien loin. Voilà les derniers zombies. Nickel. Donc vous allez là-haut. Et juste là en fait, donc on ouvre la première porte. Vous montez juste à gauche. Regardez, on passe la manche 3 à l'instant. Et pim, là il est là, regardez. Hop, le professeur Strobe. Donc je crois que c'est lui ou l'ancien professeur qui avait sur l'ancienne map. Je sais pas exactement. Mais en tout cas il est là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker et même à laisser des commentaires si cette vidéo vous a fait kiffer. Et du coup, ben, je vous dis à de prochaines vidéos. De toute façon, j'en ferai plein d'autres. Allez, ciao, ciao tout le monde. À la prochaine.